di neri, c'hanno di gloria a chi ha dato. Tu, te, danne te poi, tu da digi peccatori. Ne vi porto un gamba, dare gli atta. Baby girl, do you feel me? Come on! कोई पहनत रे लख लख निखरे रहन दे चले ना तेरे कोई पहनत रे संदली बदन वाड़िए हो संदली बदन वाड़िए लख लख निखरे रहन दे चले ना तेरे कोई पहनत रे लख लख निखरे बदन वाड़िए हो संदली बदन वाड़िए ben voilà, ça c'est la cuisine avec son carrelage qui est déjà posé. On a laissé quelques caisses de carreaux sur place. Les menuiseries, on a l'aluminium, ils sont avec les petits carreaux à l'intérieur du salon. C'est très joli. Je vous invite à prendre ce séjour qui est complètement fini. Un petit peu de saleté qu'ils ont laissé dernièrement, on va commencer à repartir. Et on a la chambre qui est juste à côté de la cuisine aussi, avec sa fenêtre au fond, le carrelage au sol, le plafond. Plus au fond, on a au fond du couloir les toilettes, avec la jalousie qui est au-dessus. Tout de suite après, on a la salle de bain. La salle de bain avec son lavabo, sa machine à laver, sa douche italienne au sol. On voit bien la pente au fond avec le siphon sol qui est en bas, le carrelage et sa jalousie. Ah oui, on voit aussi la prise pour la machine à laver ici. Voilà, on est dans la salle de bain là ici avec le défoncé à l'intérieur de la salle de bain pour pouvoir faire des placards et mettre la machine à laver. Voilà, la porte qui a été posée ici pour le troisième chambre de chef, c'est une chambre de gendarme. Voilà cette porte qui était prévue. Les poignées vont être mises à la fin parce que le peintre a oublié de les mettre. Et là, on est dans la deuxième chambre avec toujours ses mesures d'aluminium au fond. Et puis son carrelage, ses plaintes et ses plafonds à l'intérieur. Et là, je vais rentrer dans l'autre chambre, la dernière chambre, la troisième, qui est aussi complètement finie avec son carrelage, son plafond. Le défoncé ici pour l'armoire électrique, parce que l'armoire électrique qui se trouve dans le séjour fait un retrait de la chambre. Et cette menuiserie en aluminium avec des petits carreaux à la toile qui est magnifique. Voilà. Les petits carreaux sont à l'intérieur d'un double vitrage. De ce fait, on peut nettoyer la vitre aussi bien à l'extérieur qu'à l'extérieur sans problème. Alors, à l'extérieur, à droite de la varangue, il y a toutes les canalisations électriques avec le rouge pour EDF, vert pour PTT et la bleue, c'est une attente pour aller mettre votre portail électrique ou éclairer la piscine éventuellement ou les lumières extérieures. Et bien, ces trois canalisations-là, ils arrivent là en attente de EDF et des PTT pour faire la tranchée en plein milieu de la route et pour l'envoyer. Et dans le couloir, on ne sait pas où, c'est ça qu'on attend actuellement. Et bien voilà, c'était une petite présentation de votre maison qui est très très belle. La couleur bleue des volets se voit très 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 bien et c'est magnifique comme toute cette maison là. Donc du coup, il ne nous reste plus qu'à brancher les canalisations électriques que je vous ai montrées. Et après, dès que tout ça sera fini, on pourra vous livrer enfin votre maison. Allez, au revoir.